Bonjour, alors là c'est la vallée de la Roya, donc à Saint-Dalmas de Tende. Par là-bas c'est la Brigue. Et là c'est l'Opéra 20. Il est dans la falaise carrément. Donc on va le visiter, hein. Il y a une cheminée là-haut. Très étonnant. Des petites marches en béton là-bas. J'ai eu du mal à le trouver parce que je suis passé par au-dessus. Quand je me suis rendu compte que c'était la falaise, je me suis dit, bon, bah, il faut que je fasse le tour. Donc voilà, je fais le tour. Bon, allez, on va y aller tranquillement. Bon, je suis à proximité de l'entrée. Ils ont dû vouloir creuser une autre entrée ou je ne sais pas. Une autre fenêtre de tir ici. Donc il y avait celle de l'autre côté. Pardon, celle de l'autre côté avec la cheminée, il y a celle-là. Et ici, par contre, l'entrée est quand même chaud bouillante. Bon, je vais lâcher le téléphone, je vais passer avec la corde. Bon, bah, surtout si vous venez dans le coin, baudrier, mousqueton. Et une cordelette surtout. Bon ben, je prends l'autre côté. Il y a encore une évacuation là. Mais oui, c'est une entrée d'air. Allez, go. Bon ben voilà, je suis dans l'entrée. Bon, l'entrée est vachement périlleuse. Vous voyez, hein. Et il faut pas être grand. Là, je suis debout. Comme je suis très très grand, beaucoup de gens me connaissent. Je suis à 1,50 m, les bras levés. Allez, on nous invite par là. Allez. Il y en a qui ont trouvé le moyen de marquer sur le mur. Placement de mitrailleuse. Qui protège l'allée pour aller à la brigue. Je trouve que c'est vachement loin pour s'occuper de ce genre de problème ici, quoi. Pas ce qu'ils ont voulu fixer ici, mais ils ont mis le paquet de petits trous. Les latrines. Groupe électrogène. Des morceaux de réservoir d'eau en activité. Est-ce qu'il y a de l'eau? Non, plus d'eau. Le petit nid, sympa. L'emplacement des réservoirs d'eau. Ventilation, donc c'est l'air. Visiblement, il y avait l'électricité. Je ne sais pas si c'est électrique, la pompe à air, le magasin à nourriture. Et donc là, soit c'est munition, c'est poste de commandement, munition. Ah, terrible, hein? Et le poste de commandement.
pas lire, mais oui, comment, ouais, c'est ça, c'est plus de grandement avec l'emplacement de tablette, enfin d'une tablette. Je sais toujours pas ce que c'est. Le casernement. Donc c'est l'église était ici, hein, tout simplement. Ça doit être le même gars qui a installé l'électricité. Ah, il y avait une lampe. Il y avait une lampe et quelque chose en dessous, mais je sais pas. Peut-être un boîtier de dérivation. Et le deuxième vestiaire, qui lui donne sur un voie ferrée. Vous voyez le petit bâtiment là-bas? C'est l'ancien poste de transformation électrique. Donc la ligne italienne est électrifiée. Elles ne le sont plus. Elles sont plus italiennes non plus. Bon, bah, je vais faire des photos. Passe aux photos.